Là, c'est le deuxième jour du FIBO. Là, on voit les gens qui arrivent. C'est pour ceux qui hésitent à aller au FIBO parce qu'ils sont pas assez gros. Il n'y a pas un culturo aux alentours. Hein. Le culturo est malin, il dort encore. Ou il se nourrit. Mais il y a plein de mecs, tu te demandes s'ils foutent là, quoi. Mais à force d'arriver comme ça, ça fait beaucoup de monde, quoi. Je sais plus, on va parler de 100 000 ou... Mais ça paraît bizarre, quand même. Je te demande pourquoi ils viennent là, ce qu'ils viennent y foutre. Leur intérêt, mais bon, ça réunit un peu quel monde. Donc il fait beau. Et on attend que ça finisse par... les portes finissent par ouvrir. Ah, roule. Ça vient d'ouvrir, mais l'allemand est rapide. Il a les grandes jambes et il marche très vite. On essaie de les gratter, mais c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Donc là, on répète ce qu'on a dit hier. On le voit un peu sur le panneau. Ceux qui vont tout droit, c'est le crossfit. Ceux qui tournent à droite ou à gauche, c'est les bodybuilders. Ah merde, il y a beaucoup de bodybuilders finalement. Il n'y a pas tant de ça qui font du crossfit. Ah si, la fille avec le truc orange. Ou rose plutôt. Donc crossfit fait pas recette aujourd'hui. Voilà, le crossfit, il n'y a personne. Bon, bodybuilding, il n'y a pas encore grand monde. Hein. On a vu des mecs qui se sont mis à courir et tout. Et là, on arrive. Ouais. Alors, hier, on était dans la première centaine. Là, on doit être dans le top 500 cette année. Aujourd'hui. Donc, samedi, le troisième jour, le jour le plus. Ça va être le plus blindé. Et voilà, à peine commencé que c'est déjà fini. Sur le chemin du retour, le train. Et on rentre chez soi. Au revoir le FIBO. L'année prochaine, si Dieu le veut. Ouais, ou si la santé le permet.